les choucroulouts, ici Lupina pour un nouvel épisode du Bad Challenge créé par Niska34 que j'ai fait en duo avec Elancia. Alors je sais pas du tout ce qu'elle a fait. Je sais même plus ce que j'ai fait moi-même. Oh non! Oh le sale gosse! Le sale gosse, il a commencé à faire les conneries! On peut pas lui faire nettoyer sa merde? Oh le petit con! Ok, ils sont tous vénères là! Vaudou. Ah, ok, donc elle a déjà vampirisé la gamine. Je sais même plus comment ça s'appelle cette conne. Caleb. Oh, elle a essayé avec Vladistos. Ah, c'est Caleb, je pense. Mais en même temps, Caleb, c'est le plus sympa. Hein. Mais c'est une porcherie là-dedans. Bah oui, Dromel, c'est dégueulasse. Il y en a partout. Bon, on va les aider un peu. On va ranger à leur place. Hop, par contre le gosse, t'es un vrai petit con, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont faim, ils sont fatigués. Va te coucher, pourquoi il veut pas? Gaston a trop peur de dormir dans le lit. Ok, bah Jean Mou là, réveille-toi. Jean-Kevin. Quoi, il est en colère? Mais qui c'est qui a fait de la vaudou là? C'est la gamine? Est-ce que tu peux lui foutre la fessée? Parce que franchement, non, on donne pas la fessée en vrai. Calme. Demandez de ne pas mettre le bazar. On va déjà lui demander. Et s'il fait le petit con. Oh mon dieu, cette sexitude. C'est bien. Allez, maintenant, on va te rassurer pour le cauchemar. Quand même. On va essayer de bien les élever, hein, les gosses. Enfin, essayer, hein, parce que bon. On... Allez, voilà. C'est rien, mon biquet. Et maintenant, on va le mettre au lit. On va lui raconter une histoire, comme ça il va arrêter de chouiner. Oh, mais ils sont tous super vénères. C'est qui a la vaudou? Je pense que c'est l'ado qui a la poupée vaudou. Bon, bah très bien, très bien. Est-ce qu'elle aura pris un travail? Ok, donc elle non. Lui, oui, c'est quoi? Gourou des technologies? Ok, ok, pourquoi pas. Ouais, mais il faut faire des jeux vidéo et Elancia. Mais Elancia, mais on n'a pas de PC. Mais Elancia. Mais qu'est-ce que tu fous, Elancia? Bon, toi, tu vas ranger, tu vas faire... tu vas aller courir, tiens, après. Hop. Toi, réveille-toi. Tu vas faire un truc à manger. Qu'est-ce qu'il y a? Mal à l'aise, couche malodorante. Oui, bah c'est la vie, hein, c'est ça d'avoir des chiards. Hein. Cuisiner. Alors, les macaronis hein, en masse, et tu dois en bouffer plein pour grossir, parce que c'est pas possible, ça. Hein. C'est pas possible d'être aussi mince. Alors, mes chats sont excités, hein, comme d'habitude. Donc aujourd'hui, c'est pas Grougal, c'est Hydromel, c'est génial. Hydromel, tu peux te taire? Si ça peut vous rassurer, il miaule aussi quand je filme pas. Hein. Voilà, comme ça c'est génial, on adore. J'adore mes chats. Bon, quand t'auras fini... ils vont comment au niveau des besoins? Ça va, on est tranquille. Oh le chat, je vais te manger. Bah Jean-Kevin, pardon, faut que j'arrête de l'appeler Jean-Mou, sérieux. Il va aller courir. Y a rien qui est poussé, mais c'est nul. Oh là là, poussez plus vite les plantes de merde là, qu'on puisse avoir un peu de thunes. Je pense leur faire un petit relooking aussi, mais faut que j'attende de voir, je sais plus si Elancia a tous les add-ons ou pas, je crois pas. Donc faudra que je lui demande ce qu'elle a exactement pour pouvoir bah, éviter que le Sim se retrouve à poil quand elle commence à jouer, ce serait un peu con. Du coup on a quoi là? Elle a combien? 10? 100? 10, ok, donc elle on va la faire reproduire. Bah avec une 10, hein, de toute façon on n'a pas le choix. Et voilà, ça nous a donné 200. Donc on pourra les faire reproduire après. Et ça nous vaudra encore plus, bien sûr. Encore plus. Oh là là. Il faut que Jean-Kevin maigrisse et il faut qu'elle grossisse. Donc à la limite, ma vieille, tu vas aussi aller faire un plat de salade. Par contre, si tu peux te manier le tronc, ce serait pas mal. Je crois que je suis déjà passée sur celle-là. Je suis pas sûre, en fait. Ah si, regardez. Bon, bah après, tu iras rentrer. Et toi,
Toi, c'est bon, il court. Allez, cours! Oh, trop mignon! J'avais jamais vu! Bon, alors techniquement, les canetons, c'est pas comme ça, les gars, hein, mais bon. Oh, c'est trop bien, en plus, la voiture, elle le laisse passer. Mais c'est trop cool! Un défilé de canards! Mais c'est trop bien! Voilà, Jean-Kévin, faut que tu sois comme ça. En mieux, parce que lui, il est maigre. Voilà, c'est pas moi qui le veux, hein. Moi, je m'en fous, j'aime bien ta bidoche, mais c'est le défi, mon vieux. Allez, une, deux, une, deux, une, deux. Une, deux, une, deux. Sachant que les cheveux repoussent pas, faut le relooker. Il y a une des règles où ça dit qu'il faut le relooker. Je pense que moi, je vais lui garder les cheveux, les cheveux comme ça, ou voire même tout rasé. Parce que, enfin, on peut pas lui mettre des cheveux longs, quoi. En vrai, quand t'as une calvitie, t'as une calvitie, c'est tout. Ou alors, on lui met une postiche, une perruque. Ouais, non. Non, je le laisserai les cheveux courts. Alors, ça se vend. Ça se vend. Et ça se vend aussi. Bon, on n'a pas eu grand-chose, hein, c'est un peu nul. Mais bon, c'est toujours ça. Il travaille quand, lui? Parce que c'est gentil de dire qu'il travaille. Il travaille pas aujourd'hui, évidemment. Tu seras à rien, mec. Bon, ouais, va manger, ça c'est clair. Vas-y, tu peux même en prendre deux si tu veux. Parfait. Hop. Ah bah, il y avait déjà un plat en fait. Oh, le petit, il est dégueu par contre. Ils vont comment les petits? Oh, ça va. Elle, ça va. Angélique. Et lui, ouh là 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 là. Ok, viens manger, chouchou. Oui, viens manger. Viens. Ah! Les ados sont rentrés, donc. Putain, ils ont sommeil. Oh! Bah, viens ici. Ok, beaucoup trop mal à l'aise pour faire ça. Bah, va faire une sieste, hein, écoute. T'as l'air complètement capoute, alors. Ok, lui, il a très faim. Bah, tu vas manger un truc. Hop. Voilà. Prendre une portion. Et toi aussi. Non, toi, tu manges pas, toi. Toi, on te fera bouffer de la salade quand. Non, alors laissez vos gosses tranquilles. Par contre, c'est moi qui gère. Ça m'énerve. C'est moi qui gère. Arrêtez de faire n'importe quoi. Merci. Voilà. Alors attendez, j'ai l'impression qu'ils ont fait leur vie là, j'ai l'impression. Là 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 là. Option. Option, option. Ah, voilà. Alors fermez vos gueules, merci. Je déteste. Franchement, j'adore contrôler les Sims. Ça me vénère quand ils font leur vie, en fait. Ça n'a aucun intérêt, franchement, si c'est pour faire votre vie, on lance le jeu, puis on regarde, quoi, on fait rien. Ça me saoule. Voilà. Donc toi, c'est bon. Tu vas pouvoir faire tes devoirs. La grande, elle dort un peu. Je pense qu'elle en a grave besoin. Lui, s'il pouvait se dépêcher, ce serait pas mal. Et tu vas te faire une petite salade, Jean-Mou. Allez, cuisiner salade du jardin. Voilà. Donc la salade pour Jean-Kévin. Ou alors je vais l'appeler soit Jean-Mou, soit Jean-Kévin, hein, de toute façon, tant pis. Tant pis, maintenant on n'est plus à ça près. Donc la salade pour lui et les macaronis pour elle. D'ailleurs, tu vas encore en prendre. Non, pas mettre dans l'inventaire, j'ai fait n'importe quoi. Manger. Le gosse. Oh! Le gamin, mais il est dégueulasse. Bon. La petite là, c'est bon, va manger. Non mais va manger. Va manger avant de crever de faim. Oui, bah bouffe! Oh là là! Quoi, elle peut pas l'atteindre? Mais t'es conne ou quoi? Allez, zouzou. Voilà, ensuite tu feras tes leçons. Ok, elle peut pas, c'est cool. Bon. Est-ce que vous pouvez éventuellement vous manier le tronc? Bon, bah, toi, t'iras t'occuper de ton gosse, hein. Hop, apprendre à aller sur le pot à Gaston.
Le gosse s'appelle Gaston quand même. Qui appelle son gosse Gaston en 2017? Franchement? Franchement? Ah, la petite. Ah bah comment la petite? Ok. Bah ça a l'air d'aller. Bah tu vas retourner courir, hein. Écoute. Le pauvre mec, il passe sa journée à courir. Est-ce que vous pouvez... Ah, parfait. Et voilà, ça nous en fait trois. Donc, boum. Doucement mais sûrement, faut pas oublier qu'on a 750 à payer bientôt là. Ça va faire mal ça. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle fait? Tu laisses ce gosse. Tu laisses ce gosse tout de suite et tu vas faire la vaisselle. Oh là 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 là. S'il peut se manier par contre lui. Ah d'accord. Non bah d'accord, super. Bon bah apprends à aller sur le pot au gosse. Non, maintenant c'est Grougal, c'est super, j'adore mes chats. Ça va mieux toi? Est-ce que tu peux faire tes devoirs? Putain, mais c'est relou là, ta gueule, Caleb. Couche malodorante, fatiguée, mais elle vient de dormir. Elle sert à rien, elle, vas-y, va dormir. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire? Faudrait acheter des jouets aux petits. Ils ont pas de jouets, les jumeaux. Bah écoutez, on va essayer de voir si c'est pas trop cher. Un petit toboggan ou n'importe quoi. Le toboggan, il coûte combien? Ah, il est méga cher! Ok! Une maison de poupée, sinon? Oh la vache, c'est cher. Oh là 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 là. Bon, bah écoutez, on va commencer avec des petits cubes. Hein. Hop. Et à la limite, si on peut agrandir un tout petit peu la maison, ce serait parfait. Eh oui, on peut! Youpi! Voilà, comme ça on met le truc pour le gosse ici. Et le gosse est tranquille. Allez, va jouer, ma jolie. Voilà. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il est tendu. Bah oui, bah écoute, mon gamin, c'est la vie, hein. Ça, tu vas aller le faire. Commencer soigneusement. Hop, et tu vas laver le chiard. Parce que visiblement, ça fout la gerbe à tout le monde. Hop, c'est soit en bon bain, gna gna gna, donner un bain. Et s'il peut se manier d'être sur le trône, il est chiant lui. Il est très chiant par contre comme gamin. C'est quoi son truc? Pénible? Je sais pas. Charmeur. Il est charmeur, c'est tout. Charmeur et pot de colle. Et bah putain, qu'est-ce qu'il est casse-couille. Oh! La gamine, ça va, elle est tranquille, peinarde, mais alors le gosse. Oh là 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 là, le relou. Allez, 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 une, deux, une, deux, une, deux. Bon, j'ai l'impression qu'elle a un tout petit peu grossi, non? Ou peut-être pas, c'est peut-être sa tenue. Putain, mais ils mettent 15 ans sur le pot, c'est une blague. Oui, bah c'est bon, on va prendre ton bain là. Si ça va bien se manier le tronc. Bon, toi, t'as assez dormi. Va faire tes leçons maintenant. C'est chiant, là. Tu les fais et tu nous fais pas chier. Merci. Allez, go! Go, go, go! Go, 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 go! Ah là 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 là. Ok. Allez, vite! Putain, c'est même pas occupé de la petite de toute la journée, quoi. Il n'y en a que pour le gosse parce qu'il est trop chiant. Pauvre gamine. Il n'y a pas quelqu'un. Vas-y, reviens-toi. Viens faire la vaisselle parce que tout est dégueulasse ici. Ok, c'est bon. Le gamin, il est enfin content, putain. Alors, placé dans le monde. Elle a mis où? Quoi, c'était vide aussi? Bon, bah, refais des macaronis, meuf, hein. Les toilettes. Non, va aux toilettes avant. Le gosse vient ici. Qu'ils ont tous envie d'aller aux toilettes, c'est génial. Bon, sois gentil avec ta sœur. Voilà, babillé, enlacé. Oh, mais ils vont tous mal. C'est horrible. Ils vont tous trop mal. Toi. Hop,
La maman, viens ici, viens faire des... Non, je me suis trompée de perso. Viens faire des macaronis. Hop, plus de choix, macaroni, macaroni. Non, 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 va pas te doucher, tu vas utiliser juste. Bah, tu vas attendre ton tour en fait. Bah oui, mais ton fils aussi, il a envie d'aller aux toilettes. Oh là là, c'est le bordel. Bah allez, c'est bon, te lave pas les mains, mène-toi le tronc. Ah bah putain, elle a enfin terminé ses devoirs, elle. Pouh! Ouais, va regarder la télé, tu l'as mérité si tu veux. On va ranger ça. Là, il y a des macaronis. La petite, elle va en prendre. Bah oui, ma petite choupette. Oh, t'as faim. Pauvre gosse. Toi aussi, tu vas en prendre. Lui aussi. Prends une portion. Toi aussi, même si tu vas bientôt être vampire. Toi, t'as pas faim, mais tu vas quand même en prendre. Et toi, tu vas te doucher. Parce que tu pues. Par contre, une salle de bain pour autant de gens, c'est pas possible. Dès qu'on aura l'argent, il faut acheter une deuxième salle de bain, quoi. Parce que. Oh! Au moins des chiottes, enfin quelque chose. Parce que là, c'est infernal. Infernal. J'aime pas ne pas avoir d'argent, ça me stresse. Enfin, au début, en tout cas, c'est trop chiant. Jean-Mou, tu vas pas manger, tu vas aller te coucher. Ou alors tu mets... Ouais, bon, viens là. Va ranger, sinon. Oui, regarde la télé, c'est bien. Hop. Et tu vas aller coucher ton fils. Action. Voilà, lire une histoire avec Gaston. Et toi, tu vas lire une histoire à Angélique. Voilà. Le gamin. Oh là là, le gamin, il pue. Oh la vache, la distraction. C'est horrible. Pauvre gosse. Va tirer un peu, regarder la télé. Ah non, il est minuit, tu vas te coucher en fait. Je suis désolée, tu regarderas les dessins animés demain matin. Hein. Va te coucher. Allez, go. Et toi, va dormir. Non, mais vraiment, on va te coucher. Merci. Allez, au lit. Toi, tu vas aller prendre une douche. Du coup, c'est bon. Bah, écoute, oui, fais la vaisselle si ça t'amuse, hein. Et dodo. Quoi, qu'est-ce qu'il a, lui? Dors! Steven a trop peur pour dormir dans un lit. Putain, le relou. Oh là là, il n'y a pas de lampe pour le monstre du lit. Oh là là, c'est bon. C'est bon, regarde, je vaporise. C'est génial. Allez, va te coucher. Oh non, mais c'est sérieux! Effrayé, caractéristique du terrain. On peut changer les caractéristiques du terrain? Ouais, bah on va changer, hein, parce que franchement, merci, mais non merci. Ouais. Ah, d'accord, ok, super. Bah non, hein. Écoutez, on va s'aider un peu. On va mettre ça, on va mettre bonne école, jeu d'enfant. Bah bonne école, voilà. Les gnomes, ils font quoi? Ils réparent, je crois. Ouais, non, non, ce serait un peu trop. On va. Bah, c'est où, bonne école? C'est là, c'est sous mon nez. Voilà, ça va aller mieux. On peut pas le rassurer, le petit, là. C'est bon? Est-ce que vous pouvez aller vous coucher? Parce que c'est bon maintenant. C'est relou. Oh non, casse-toi! Oh, mais il est sérieux! Mais dégage! Oh, dénigre sa colère, vas-y. Vas-y, envoie-le se faire foutre.
Allez. Putain, mais casse-toi, connard! On peut pas lui dire de se casser. Allez. C'est chiant, laisse mon gosse dormir, enculé. Ah putain, le relou. Allez, dégage. Dégage de chez moi. Non, mais il n'y a pas dire de partir là. Oh, ça me saoule. Ça me saoule. Bon, on va essayer de le calmer, peut-être que. Putain, mais laisse mon gosse. Bon, on va faire une sieste, toi, nous fais pas chier. Non, mais toi aussi. Oh, oh ça m'énerve. Oh, ils me saoulent, les gamins là. Va dormir, connasse. Merci. Bon, maintenant, est-ce que tu peux te casser? Non, bah, en fait, il va pas se casser, je pense. Il va nous faire chier jusqu'au bout, le mec. Bon. Vas-y, on se casse, on va dormir, nous. Allez, tu fais ce que tu veux, nous, on dort. Oh non, mais il y a lui maintenant, mais c'est une blague! Mais c'est la réunion des troufions, ça se passe comment? Regarde, l'autre, il va péter ma télé, là, c'est honteux! Honteux! Ou alors, peut-être qu'il vient parce que elle va bientôt être vampire, je sais pas, mais en tout cas, c'est chiant. Bon, est-ce que le gamin peut dormir maintenant? Mais non, je me suis trompée de gosse! Non, 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 rendors-toi! Rendors-toi, t'es trop relou, toi! Steven a trop peur pour dormir dans un lit. Ouais, bah tant pis. Il va faire sa sieste et puis voilà. Super, il y a une assiette là. Non, non, tu nous fais pas chier, tu retournes faire une sieste. Oh, il est pénible ce garçon. Et je vois que j'ai grave dépassé dans le temps avec tous ces cons là, ils me saoulent. Du coup, j'espère que l'épisode vous aura plu. C'est le début, c'est toujours bien galère le début, c'est normal. Je voulais faire un petit cadeau pour Elancia, mais je pense qu'on n'a pas assez d'argent. Clairement pas assez. C'est con parce que j'avais vraiment trop envie de lui faire un petit cadeau. Un petit. Ah, je vais lui mettre un petit canard. Voilà. Voilà, Elancia, un petit cadeau. Voilà, plus de thunes à cause de mon canard tout pourri, mais c'est pas grave. Du coup, j'espère que ça vous aura plu, que la série vous plaît, parce que je sais, j'ai pas encore vos retours, vu qu'on tourne en avance, vu que Elantia a du temps. Alors, j'ai tout mélangé la phrase là. Vu que Elantia a un emploi du temps assez chargé. Donc, j'espère que ça vous plaît. Et puis, bah, si vous venez de découvrir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. La suite sera la semaine prochaine sur. La chaîne de Lancia, si vous voulez refaire le challenge, il y a la chaîne de Niska et les règles du bad challenge en description. Sur ce, je vous envoie plein de cœurs et de paillettes et salut!